Et bonjour à tous. Aujourd'hui, deux enveloppes. Nous sommes le samedi 20 mars, donc je les ai reçues hier, le vendredi 19 du coup. Donc, vous devez connaître mes priorités pour l'instant. Elles sont toutes les deux plutôt fines. Hein. Allez, on va commencer par celle-là. Je change un petit peu l'angle. Oh, bah la caméra. Hop. Enfin, la caméra. Je filme avec mon téléphone et il s'est cassé la gueule. Hop, on va essayer comme ça, j'espère que c'est bon. Alors, on ouvre, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas ce que c'est. C'est du Pokémon? Qu'est-ce que c'est? Je vous la montre comme ça. Là, comme ça, je vois pas. C'est de plumes, là. Alors, c'est bien du Pokémon. C'est marqué S10. Et normalement, une Pokémon S10, c'est une S et une brillante. Donc là, c'est pas brillant. Une plume. Derrière, notre collant, qui est plutôt bleu et pas noir. Je pense que le dos de mes images Pokémon, les autres, est-ce que c'est Rondodo? Je crois aussi, oui. Donc qu'est-ce que c'est S10. Je vais vérifier. J'espère que la personne ne s'est pas trompée d'album. Alors, d'accord, j'ai le petit mot de la personne, donc je vais vérifier. Je vérifierai après ce qui a exactement été demandé. Donc le reste, on a. Ah oui. Alors on a des images. On a des images Pokémon. Voilà, je vous les montre comme ça vite fait. Donc à chaque fois ici, l'album est bleu. Mais ça pour moi, c'est pas le bon album. Parce que ça pour moi, ça comme image. C'est pas celle de mon album Panini Pokémon avec la liste des 151 Pokémon. Ici, on a des visuels du générique ou du dessin animé. C'est ce qu'on a là. Voilà. Avec un dos bleu derrière. Avec une brillante de Salamèche ici. Donc, sur le site Panini, quand vous demandez dans votre collection, vous indiquez quels albums vous possédez. Le site différencie bien. Attention, cet album-là. Le visuel, le dos est noir ou le dos est bleu, le dos est rose, peu importe. Donc ces images-là, Pokémon, pour moi, c'est pas l'album que j'ai dans ma collection. Donc la personne m'a mis des albums d'un autre Pokémon. Tac. Écoutez, je vais voir, je vais déjà le prévenir et on verra ce qu'on fait. Ce qu'on fait de ces images. Je suppose, du coup, moi, les images que j'ai demandées là, 40 de cet album-là, 56 de cet album là, enfin 56 cette image là, la 62, donc pas le bon album. C'est pas vraiment sûr à 100% que la personne ne les possède pas pour l'album moi qui m'intéresse, c'est pratiquement sûr. Donc ça sert à rien que je vous dise, vous êtes trompé d'album, envoyez moi les bonnes images, il les possède pas, il y a très 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 peu de chance. Donc on a aussi deux inspecteurs gadgets, donc là inspecteur gadget on avance. Il va manquer 12. J'en ai récupéré donc là 4 pour l'instant. Du coup, il ne manque plus que 8. Donc, deux nouvelles inspecteurs gadgets. Du coup, là pour ça, je vais prévenir le vendeur. Moi, l'album qui correspond à ces images-là, je ne l'ai pas. Je l'aurai peut-être un jour. Et du coup, on va voir comment on s'arrange parce que du coup, ça arrive, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Mais là, en ouvrant la première image, J'ai remarqué que du coup ça ne correspondait pas. Donc il faut au moins que je le prévienne pour pas qu'il reproduise la même erreur. Deuxième enveloppe. Voilà. Ici. Donc là on a du Pokémon. Ici du Civil War je pense. Ou du Batman. Écoutez. Ah non. C'est du Harry Potter. Donc là hop. Encore ici, la personne qui met avec des post-it les images ici présentées comme ça. On a deux images cartonnées, puisque Harry Potter, c'est une série d'images Panini dans laquelle vous avez 4 images et une carte dans chaque paquet. Voilà, à collectionner. Donc là aussi, on a aussi 50, comme dans Raya et le dernier dragon. Donc normalement, j'ai eu les images et les cartes que j'ai demandées. Voilà. On va les retirer comme ça. Les images d'Harry Potter, la magie des films. Alors, c'est un album que j'ai acheté
que ma femme aime bien, parce qu'elle aime bien l'univers Harry Potter. Moi, c'est pas une de mes priorités. Mais voilà, j'ai récupéré quelques images quand même. Ah, le Magicobus, je crois que ça s'appelle. Tac. Ici, la famille Malfoy, le père et le fils. Ok, donc ça, c'est des images directement prises screen du film. Il y a encore une carte ici. Plutôt jolie. Hein. Les cartes, de toute façon, sont toujours des produits qui sont assez jolis. Mais, du coup, celle-ci, il y a un petit effet... alors, je sais pas si c'est... c'est pas vraiment holographique. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un petit effet sur l'image qui est apporté. Contrairement à celle-ci qui... un visuel plat et sans vraiment de relief, et ici à droite on a quelque chose d'un peu plus travaillé. Bon, très bien, je voulais vous montrer encore une chose. Voilà, dans ce sachet j'ai des images que je destine à être collées, donc j'ai là et que j'ai pas encore collé, soit j'attends, soit j'ai pas encore ce qu'il faut. Ici donc on a Chevalier du Bélier que je dois coller sur mon poster, par contre j'hésite. Il me manque 4 chevaliers d'or sur mon poster Chevalier du Zodiac. J'hésite à les coller au fur et à mesure quand je les obtiens, chaque image. Ou alors, est-ce que j'attends d'avoir les 4 pour compléter en une seule fois tout le poster? J'hésite. Donc là, pour l'instant, j'ai récupéré que celle-là. J'ai pas d'autres échanges en cours. Donc je suis obligé d'attendre. Ah, les images tombent. Ça, c'est les images Chevalier du Zodiac 2. Enfin, Chevalier du Zodiac, le film Abel que j'ai reçu aussi, que j'ai pas encore comme album. Donc dans cette pochette, on a aussi des images qui vont sur le poster de la même Pokémon que je possède. Ah, voici le dos. Donc le dos, il est noir et c'est Pikachu, donc c'est pas Rondoudou. Donc celles-ci vont sur le poster et je ne l'ai pas encore. C'est à partir de S30, je pense. S30 ou S29. Après, les images Pokémon brillantes vont sur le poster. Donc ça, c'est pour le poster aussi. Mais le Dragon Ball. Dragon Ball Super, que j'ai pas encore détaché, et ou alors que je peux pas coller parce que si je l'ai pas détaché, je peux pas ouvrir l'intérieur des posters de Dragon Ball qui sont encore attachés. Écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, dans cette pochette d'images que j'ai pas encore collé, les images Chevalier du Zodiac, l'album d'Abel, les images Batman que j'accumule, que j'ai décidé de conserver et de coller une fois que je n'aurai récupéré pratiquement toutes. Voir toutes, si ça dépend de combien de temps je vais mettre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, un petit peu déçu pour les images du coup Pokémon qui ne correspondent pas. Écoutez, moi ça vous permettra de voir qu'il peut y avoir des erreurs. Normalement non, parce que quand vous indiquez sur ma collection, que vous indiquez posséder telles images de tel album, l'album vous le sélectionnez, vous le validez en quelque sorte. Donc bon, là c'est un petit peu dommage. Et je vais prévenir la personne qui me les a envoyés et je vais voir comment on peut s'arranger. Voilà. On va s'arranger sûrement avec le reste des échanges qu'on peut faire, tout simplement. Hein. On va pas non plus. Je vais pas créer un litige par rapport à ça, c'est pas la peine. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.